Mettons, j'ai à 15 000, 20 000, 20 000 euros, 25 000 l'enchère maintenant. Le Havre. 25 000. À 30 numéros de la fin, on nous sort à Le Havre. Ah, attention les yeux là. À 25 000 euros, on va trancher à 30 000, à 30 000 euros, l'enchère à 30 000, à 30 000. Voici Antoine Le Pedry avec son fils. Ce sont les vendeurs. L'élevage de Tourgéville, du lot 477. Pointel, fils de Le Havre et Polichéba par Polyglotte. Polichéba, troisième de l'Istode. 45 000 euros qui met 50 000 à 45 000 euros Grégoire. Famille Umbridled, le crack américain, gagnant de la Breeders Cup Classic et du Kentucky Derby. À 45 000 euros, The Lovely Cold. À 45 000 euros, Such a Lovely. Là, ça va chauffer. À 52 000, à 50 000 euros l'enchère. Sous les, dans les t-shirts, sous les maillots. À 50 000 euros l'enchère, à 55 000, à 52 000, à 52 000, à 55 000. La salle s'est remplie soudainement. Con Marnan, il y a Richard Venn, Mathieu, Mathieu Alex, Jean-Claude Rouget, Alessandro Botti. Ça part dans tous les sens. Bien sûr, à 62, 65, à 65, à 65 000 euros, l'enchère, à 65 000, à 65 000 euros, ici encore 65 000 euros, à 65 000 euros. Brandon Bashford, Jean-François Bernard, tout le monde est là. 65 000, à 65 000 euros, l'enchère est à droite, à 65 000, 70 000 maintenant, à 70 000 euros, c'est Solène, à 70 000 euros, Solène, bien sûr, 75 000, à 75 000 euros, l'enchère. Allez, on y va, effectivement. Sur les 80, 80, c'est parti. Je ne vous entends plus, à 80 000 euros, c'est Five, à 85 000, à 85 000 euros, contre vous, mettez 90, bin 90, yes! 85 000 euros, l'enchère est à droite à 85 000 euros. À 85 000 euros, Solène, je ne vous entends plus, l'enchère est là. À 85 000 euros au téléphone. À 85 000 euros. 90 000 now. À 90 000 now, we are selling for 90 000 now. À 90 000. Juste le frère, la propre frère Plumeto, il est bon là, le 2 ans par Le Havre. We are selling for 95. 100. 100. 100 000 euros maintenant, l'enchère est à 100 000, à 100 000 euros l'enchère. À 100 000 euros l'enchère, 105 000, 105 000 euros, 105. À 105 now. À 105 now, we are selling for 105,000 now. À 105 000 euros l'enchère, à 105 000 euros bien sûr. C'est un combat entre Jean-Claude Rouget et Piquet, il est juste devant moi. À 105 000 euros, le champion Le Havre. À 105 000 euros l'enchère est à droite par vous, Grégoire. À 105 000 euros, pas d'erreur, Solène. À 110 000. 110 000. 110 000 euros, oui monsieur. Le voilà, monsieur à la casquette. Ah, on l'a vu en direct, il vient de remettre 5 000. Le monsieur à la casquette, je connais pas son identité, je connais son voisin, Brandon Bashford, un Irlandais. Oui, 120 000, et 120 000, et 120 000, et 120 000, allons-y français. À 120 000 euros l'enchère, à 120 000. Allons-y français. Il a dit allez-y français. Et il y a des gens qui pensent que c'est moi qui mets les enchères là. Ah bah bravo, merci Péric. Il est coquin, il est taquin. Déjà d'un vainqueur à 125 000 euros for 5. À 130 000, 130. Ouh là 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 là, attention, le top price était à 150 000 pour l'instant. Est-ce qu'on peut passer? Oui. 135 000, nous ne sommes plus qu'à 15 000 euros du top price, mesdames et messieurs. Il se passe un moment important, il est quasiment 20 heures, l'heure de l'apéro. Nous en sommes à 135 000 euros pour le Kino 477. Le Havre, l'étalon champion. Merci de votre aide. Le Havre, et c'était Jean-Claude Rouget. On va l'adjuger à 135 000 euros. Avec Sylvain Vidal qui. Pour le juge. Anthony Stroud, thank you very much. 135 000, Grégoire. Et c'est Anthony Stroud, voilà, Anthony Stroud qui est juste là, qui est juste là. On va vous montrer Anthony Stroud qui vient de faire l'acquisition. Il est là, Anthony Stroud, fils bien sûr, hein, c'est pas Anthony Stroud, père. Anthony